Ok, rebonjour tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 14 du challenge Maudit Héritage. L'épisode précédent, on avait donc le petit bambin qui avait grandi, donc il a marché, il se met à marcher, donc maintenant il peut monter les étages. Donc ça va être le but du jour. Le but du jour, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de monter à l'étage. Le maximum de choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce manoir, à la belle époque, donc, hein, à sa belle époque, quand il faisait la une des journaux, était quand même un lieu de fête et de réception luxueux. Donc, effectivement, comme c'est-il, la créatrice du challenge le précise, vous en faites ce que vous voulez de votre manoir, une fois que vous l'avez retapé. Mis à part de respecter les murs, l'emplacement des murs, des portes, des fenêtres, mais ça, je l'ai déjà dit, voir mes vidéos précédentes, les règles et tout, vous avez tout sur la chaîne YouTube, donc allez voir, n'hésitez pas. C'était quand même un lieu luxueux et où il y avait des réceptions, des fêtes, etc., etc. Donc, je me suis dit, vu qu'il y a quand même un sous-sol, un étage qu'on a déjà un petit peu aménagé. On attendait que le petit bout marche pour pouvoir dégager les chambres en bas. Voilà. Et pourquoi pas, je me suis dit, essayer de monter un maximum de choses, de pièces, voilà, qui sont en bas. Les mettre à l'étage. Voilà. De façon à ce qu'ils vivent à l'étage et qu'en bas, ça soit vraiment un lieu de réception. J'entends par réception quoi? Ben, par exemple, ici, faire une cuisine style restaurant. Ouais, c'est un style, un truc tout bête. Style restaurant. Ici, faire une grande table ou des tables de réception pour leurs potes, etc. Faire une salle de sport. Ici, avec ici un petit coin vestiaire, enfin je sais pas trop encore comment on va tourner ça, mais les faire vivre les grands-parents, les parents et le bambin à l'étage, quitte à monter les grands-parents, la chambre des grands-parents, quitte à la monter tout là-haut, à cette chambre qui sert à rien. Voilà. Donc ça va être le but du jour, ça va être beaucoup plus côté build aujourd'hui. Au niveau de l'épisode 13, on a fait quand même pas mal de gameplay. D'accord? Donc là, ben, on va bouger tout ça maintenant que le petit bout marche. On va bouger tout ça. Donc on va passer en mode build tout de suite. Ça sera fait. On a quand même 14 000. Non, 10 000 simflouzes. 10 000 simflouzes. Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire du foyer? Un évier. C'est original. Donc on va le vendre, s'en fout. Et ça, c'est les peintures qu'avait fait Roman au début. Ok, d'accord, on verra ça plus tard. Donc, on va descendre. Alors, ça va réveiller le petit bout, mais tant pis. Hein. Je suis désolée, bouchon. Tu dormais sûrement très bien. Mais là, on te vend. Non, non, je veux pas ça, je veux le vendre. Mais qu'est-ce qui me fait le jeu vendre? Voilà. Le petit pot, on va en garder un en bas pour pas qu'il soit obligé de monter tout le temps à l'étage. Alors, je ne sais pas trop où on va le mettre, mais pour l'instant, on va le mettre là. Ici. On va bouger ça. Quoique, ouais. Si j'aime bien quand ils ont des petits jouets en bas. Comme ça les évite de monter, descendre. On va vendre ça. Excusez-moi, je la vois un peu cassée. Alors. Donc, je serais même pour vendre ben, tout là. Le lit. Ça, on va le monter. Alors, c'est là où tout se joue. On va peut-être faire la chambre.
C'est là, alors là, voilà, je savais pas, je savais pas, j'ai dit on le repousse, on repousse, on repousse. Il marche pas, donc on s'en fout. Les grands-parents, je les mettrais bien, les pauvres, je les mettrais bien à l'étage au-dessus, mais par contre, ils disent qu'ils ont mal au dos dans ce lit, donc hop, on va l'enlever. Donc moi, je les mettrais bien ici, les petits grands-parents. Allez, on va faire ça. Donc, on va prendre la cheminée, on va la laisser. On va déjà leur mettre leur lit en haut. Voir comment on va s'organiser. Donc, là où est le premier étage, leur habitation, enfin, là où ils vont habiter, et en bas, on va faire un lieu de fête. Et comme ça. Je pense qu'après, le challenge sera terminé, puisqu'il faut qu'il fasse 120 000 Simflouz. On en est à 117 000. Avec les meubles qu'on va mettre en bas, on aura largement le quota. Et le challenge sera fini, ce qui me permettra de rebasculer sur mes anciens challenges. Et les finir, bien entendu. Ok, donc, ouais, j'ai dit. Je t'ai remonté pour mettre le lit. Tout compte fait, on va prendre. Non, je veux pas la pièce. Je ne veux pas la pièce. Je voudrais le tapis. Tu veux pas me donner le tapis? C'est marrant ça. Ouais. Puis-je avoir le tapis? Ah, comme je l'ai agrandi, il va m'embêter. Bon, c'est pas grave. Toute façon, ce sera la chambre des parents. Donc, c'est pas bien là. Donc on va monter ça. Pourtant non, je n'ai pas agrandi ce tapis. Bref. Bref. On va vendre ça. La bibliothèque, si je la prends pas, je vais l'oublier. Donc on va la remonter. Voilà. La cheminée, je dis qu'on l'a laissée. Le tapis, ben voilà. Qu'est-ce que c'est ces caprices? C'est pas bon les caprices comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Il me faut un lapadaire. Donc on va le copier tout de suite. Sinon, après on oublie. Voilà. Comme ça. Je fais des bêtises. Ça, on vend. Et ceci, on vend. Ok. Donc on est bien dans les textures. On est bon. Donc ça va être la chambre de Roman et Becky. Donc, on va déplacer ça. Ah oui, ce que je voulais faire, c'était. Alors, il me faudrait tous les murs. Voilà, c'est quand même plus arrangeant. Ouais. Je voudrais lui mettre une coiffeuse à Becky. Un truc comme ça, parce que bon, hein, maintenant, c'est bon. Ils ont des sous, tout est fait. Donc ici, ça c'est des photos pour le papy et la mamie de leur fils et de leur belle-fille. On arrangera ça après. Faire étape par étape pour éviter de se perdre. Ok. Là, on est bon. On est bon partout. Ok. Donc, il y avait un truc qui me dérangeait en bas. Je vais l'enlever tout de suite. Je voulais mettre une photo qui représentait le tonton, donc l'ancêtre. Et je m'aperçois qu'en fait, ce truc de vampire, quand on bouge la cam, il aurait pu faire les. Comment dire Quand je le montre comme ça, on aurait pu penser que c'est le tonton qui est mort, hein, dont on a hérité de la maison. Mais en fait, quand on bouge là, dans le gameplay, j'avais pas fait gaffe, il se transforme en vampire. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc je le vends. Le petit bout, il comprend rien. Où est mon dodo? Je dormais si bien. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mon dodo? C'est pas juste. Voilà. Enfin bref, ça c'était le côté un petit peu délire de Chirelle. Vous inquiétez pas. C'est normal. C'est le matin. C'est rare que je live le matin. Très rare. C'est pour ça. D'ailleurs, ceux qui sont venus et qui me connaissent m'ont dit, mais déjà? Bah oui. Voilà, il y a des jours.
C'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas de follow la chaîne, parce que je n'ai pas d'horaire fixe, donc vous risquez. Si vous voulez savoir quand c'est que je suis en live, eh bien, il va falloir follow la chaîne, parce que je n'ai pas de jour fixe, ni d'heure fixe. Voilà. Donc, on va trouver un lit au papy et à la mamie, parce qu'ils se sont plaints du lit que je leur avais mis. Donc, on va peut-être... 12 000, waouh, j'ai plus de sous après. Ils sont gentils, le papy et la mamie, mais... Alors, les CC sont interdits, bien sûr, hein, vous en doutez tous. Celui-là ? Bon, celui-là, c'est celui qu'il avait, il n'était pas content. Inconfort 1. Inconfort. Ils vont me ruiner. Ils vont me ruiner, les grands-parents, là. Celui-là est trop cher pour le moment. Il y a peut-être celui-là qui est dans le objet de luxe, mais je trouve pas que ça fait personne âgée. Non. Au niveau du celui de chien et chat, je vous l'ai dit, hein, là on va débuter par du build, donc c'est choisir un lit, la couleur, etc. Donc ça fait pas trop grand-parent, quoi. Lit maléfique, hein. Ben, les pauvres, on peut mettre dans un lit maléfique. Alors, hein, le chien et chat, ouais, il y aurait peut-être celui-là 2002. Mmh. Et celui de la jungle, ah, 4 quand même, il est moins cher. Et celui des saisons, je l'aime pas, je trouve pas joli. Je trouve avec ce côté molletonné là, j'aime pas du tout le lit. Alors, on va plutôt taper dans celui de la jungle, je pense. Ou de chien et chat. On va voir les coloris qu'il y a. Bon, ça fait un peu de gens, la jungle, hein, pour des personnes âgées. Donc, on va plus taper dans le côté, voilà. Comme celui-là. Donc, je vais mettre celui-là au pif. Voilà. Et on va voir avec les couleurs après. Alors, excusez-moi, je bois un café. Parce que je suis quand même en live depuis 5h ou 6h du matin. Donc, ne m'en veuillez pas. Alors, au niveau des couleurs, non. 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 Berk. Help. Pour l'instant, c'est celui-là qui me plaît le plus. Blanc? Non. Marron? Ouais, c'est pas terrible, hein. Allez, plus dans les bleus avec du marron. On va laisser comme ça. Je pense. Là, va falloir vraiment tout réaménager, là. Et je pense que ça sera l'avant-dernier épisode du challenge. Après, on l'aura terminé. Hein. Il sera fini. Donc, on repassera. Je pense que je rebasculerai sur le challenge Under the Dome après. Mais je ne suis pas sûre encore. Hein. On verra ça plus tard. Alors. Excusez-moi, je me fais une cigarette. Je sais, c'est pas bon pour la santé. Ne fumez pas. Alors.
Donc là, va falloir vraiment au niveau bon, là, ça va être la chambre en haut des grands-parents. On va vraiment après passer la chose la plus importante, le premier étage et le rez-de-chaussée, quoi. Donc là, on est vraiment sur autre chose que du gameplay qu'on a vu dans l'épisode 13 ou autre. Donc là, il va falloir bien réfléchir et ben, faire en sorte que ou on le finit aujourd'hui ou je ne sais pas. Donc ça, on va pouvoir peut-être le pivoter. Peut-être comme ceci. La table, j'aimais bien cette table, mais est-ce qu'on va pouvoir la garder dans le sens où on n'est plus du tout dans les mêmes couleurs? Ah, quoi que ça passerait comme ça. Ouais, moi ça me déplaît pas. Je suis pas pour vous, moi ça me déplaît pas. La cheminée, ben, on va la prendre en bas. Après tout, c'était la leur. Les pauvres. On met papy et mamie sous les toits. Alors ce tapis m'embête, hein. Donc ça en levant. Ce tapis m'embête parce qu'on a du mal à le récupérer. Hein. C'est une fois qu'on l'a placé. Pourquoi tu ne veux pas que je te récupère, vilain tapis? Je t'ai trop mis près de la cheminée. On va avoir un incendie. Voilà. Comme ça. Se mettre la lampe ici. Alors je crois que je leur ai mis un canapé, je l'ai viré, hein. J'en étais sûre, j'ai viré le canapé. Bon, alors canapé, canapé, canapé. Un canapé pour des personnes âgées, lequel j'avais mis. J'étais restée quand même dans du classique. Hein. Je crois que j'avais mis ça. Ou celui-là. Je ne sais plus. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir une teinte qui va avec un bleu? Non, sûrement pas. C'est un petit canapé. Donc celui-là, c'est le grand. Ok. C'est celui-là donc. Alors, mettre comme ça. Alors, réchefflissons, comme je dis si bien. Alors, on a ici les cadres, hein, donc qui vont aller sur la cheminée, devant la cheminée. Leur petit-fils ici. Et leur fils avec leur belle-fille. Comme ça. Et on mettra un cadre, hein, parce qu'on ne peut pas le faire en mode construction, on mettra un cadre. Donc, on va essayer de trouver. Moi, dans mes challenges, j'aime pas trop mettre des cadres qui sont dans le jeu. Je préfère mettre des photos qui racontent l'histoire de la famille. Et on va faire une petite exception là. En attendant que je fasse une photo du couple. Ah, mais il va y avoir une photo du petit bambin maintenant. Bon, je trouve que ça ferait sympa une photo au milieu là.
un cadre à l'ancienne, bien qu'il y ait des personnes âgées modernes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pas de problème, les Alines. Va donner le bibi, surtout oublie pas. Ouh là là. Pas de problème. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre aux grands-parents? Voilà, une photo d'époque. On pourrait imaginer. Ça donne quoi la photo? Je vois rien du tout, quoi. C'est vraiment pas pratique. Ah, je vais me battre avec le truc là. Hop, 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 je monte, je descends, je monte. J'y vois rien. Pas sympa le jeu. Alors, non. Oh, mais c'est pénible. Pour pas dire, c'est chiant. Non, pas ça. Évidemment, c'est en haut le truc. Mais bah oui, bien sûr. Bon, on va dire celle-là. Ça peut être sympa. Par exemple, on peut dire que c'est eux quand ils étaient jeunes et qu'ils faisaient du bateau. Imaginez ça. Va partir là-dessus. Donc, on mettra des cadres là. Sur les photos. Ensuite, il faut qu'on fasse gaffe à nos sous, hein, parce qu'on n'est pas non plus millionnaire. Hein. Donc après, il nous faut deux petites lumières ou alors des tables de nuit. Vu qu'on n'a pas encore énormément de sous, on va peut-être piocher les lampes qu'on avait à la base avec le manoir en ruine. Et puis ça va avec le style des grands-parents. Voilà, on va faire comme ça. De toute façon, on changera le lit. Je compte en mettre un autre. Voilà. Est-ce que c'est centré mon affaire? Je suis un peu chiante sur le build. Voilà. Là, c'est bon. Je passe trois plombes sur mes builds. Alors. Ouais, plutôt comme ça. J'aurais bien mis un tapis sous le lit, mais j'ai peur que ça fasse trop. Bah, c'est vrai que ça fait vite sans table de nuit. Alors, on va regarder ça. Donc, chambre. En table de nuit pour personnes âgées. Alors, on va rester dans du classique, hein. Guéridon carré. Qu'est-ce qu'on a comme couleur là? Parce que j'aime bien celui-là de d'être parent. Parce qu'il y a des petits bouquins dessous. Ça donne quoi ça? Bah ouais, sympatoche. Blanc. Ça fait un peu trop moderne par rapport à la chambre. Celui-là, combien il fait? 325. Hein. Il irait bien. Celui-là me plaît. Bon, pas droit au CC, hein, par contre. Hein. Je sais pas si je l'ai dit. Alors, et puis. Nous savons tous que nos grands-parents aiment beaucoup les petites horloges à l'ancienne. Hein. On va peut-être en placer une, si on y arrive, sur la cheminée. Il fait un peu vide cette petite cheminée-là. Voilà, style sale. On n'est pas trop dans les teintes, mais. Ouais, ça le fait.
Pour moi, ça le fait. Je sais pas pour vous. Pour moi, ouais, je trouve que on retrouve bien. Ou alors, si on fait pas ça, on a la possibilité de la mettre au mur. Et à ce moment-là, le cadre, plutôt que le mettre sur la cheminée, on le mettrait là. Ça peut être bien. Faut voir la taille de la de l'horloge. Elle était chère en plus, 810, la vache. Ça en a 1200, 880. Oh, il coûte cher, papy et mamie. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Alors on est dans des teintes. Plus comme ça. Oh, mais c'est énorme ce truc là. C'est quoi ce truc? J'ai jamais utilisé ce truc là. Waouh. Ah oui, c'est les lampes, enfin les horloges de la ville. Ah ouais, ok. Non, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Donc on va rester à 810, ça fait cher quand même pour une petite loupiote, enfin une petite. Alors, plutôt faire comme ça, donc on va remettre le cadre là où on l'avait mis. Voilà. J'aime pas ce système-là de cam qui bouge tout le temps, ça m'énerve. Ok. Alors. Je veux pas des décorations murales. Hein. Donc ça, on l'a fait. Alors, pas de CC, j'en ai 3 tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur la petite table? Quand même mettre quelque chose sur la table. Est-ce que c'est pas trop gros ça? Gigaga du pack de la jungle. Si c'est gros, hein. Il est trop gros celui-là. Celui-là peut-être. Non. Je suis pas très plante moi dans mes bulles en général. Méga vase de table. 100 et quelques. Waouh. Fait quoi ça? Oh, ça peut le faire. Je verrais bien un petit chat ou un petit chien. Sur la cheminée. Je sais pas. Je sais pas, le côté bude, ça prend énormément de temps. C'est pas trop ce qu'on va mettre. On met, on pose, on change. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout, du tout, du tout quoi mettre. Il y avait le. C'est dans Vintage. Mais bon, j'aurais quand même le trouver là. Sculpture. Il doit y avoir des trucs dans sculpture.
qu'on peut mettre sur la cheminée. Il doit y avoir des trucs. Faut juste trouver quoi. Où c'est qu'il est ce truc? Bon, je pourrais chercher directement dans Vintage, hein, mais bon. Ah, c'est ça que je veux. Voilà. Et de l'autre côté de la cheminée. Il est gros le bateau? Jamais testé le bateau. Là, on n'est pas trop mal. On a les sous qui prennent un coup, mais bon, faut bien aménager. Alors, ici, sur la table de nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les tables de nuit vu que les lampes sont en haut? Ah, il y avait celui-là, bateau, qui était sympa, qui fait plus. Mais je pense qu'il est un petit peu plus cher. Ouais, 1200. Non, il passe pas. J'ai pas envie de le monter. Non, la lampe, elle doit être centrée. Si je me rappelle, mes grands-parents, c'était centré sur les cheminées. Et toi? Je pense que là, c'est bon. Et ici, je sais pas trop quoi mettre sur les tables de nuit. Ou alors, plutôt que le buste là, qu'on pourrait mettre bah, ici, je mettrais bien la radio ancienne qui est ici. Et elle, on va la monter par contre. Ok, on va essayer de la placer si elle veut bien. Voilà. Par contre, elle me paraît rikiki cette lampe. Faudrait que j'échange, mettre ça là. Et mettre la lampe là. Est-ce que je peux la bouger celle-là? Non, faudrait que je la monte. À la limite. Voilà, plutôt que la mettre sur la cheminée. Et trouver autre chose pour la cheminée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la cheminée? Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre sur la cheminée sans que ça casse l'ambiance? Il y a déjà des bouquins, donc on va pas mettre des bouquins. Pas si évident que ça en fait. Une plante, on en a une sur la table. Rideau store, on n'a pas besoin. On va aller voir dans décoration.
Alors, qu'on pourrait mettre une petite lettre sur la table ici. Un petit peu trop sur le bord. Voilà. Sur la cheminée, sur la cheminée, sur la cheminée. Sans que ce soit incessé, hein, bien sûr. C'est pas simple. C'est vrai qu'en CC, j'en ai un tas, donc d'ailleurs, il faut que je les trie, parce que ça me freine pas mal le lancement du jeu. Salut Nana, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Je sais vraiment pas quoi y mettre sur cette cheminée-là. Faudra un truc pour personnes âgées. C'est chaud. Une petite boîte à la limite. Une petite boîte à la limite. On perd un temps fou avec quand on est dans la partie but du challenge, on passe un temps de fou à chercher les affaires. T'es chaud quand même, hein? Qu'est-ce que je pourrais mettre sur cette cheminée? Ah, mais les loupiottes, elles restent bleues. Ah, quoi que. Ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça donnerait quoi? Ouais. Non, ça va pas. Et ça, ça change rien. Pas de cesser, pas de cesser, pas de cesser. Salut Knell, bienvenue à toi sur le live. Allez, allez, on perd du temps là pour une cheminée alors qu'on veut finir ce challenge là. On n'est pas loin de le finir, là. Il n'y a pas pour longtemps. Il y en a des trucs à mettre important. Ça, je crois que c'est gros. Ah non. Ouais, bah ça peut le faire. Donc à ce moment-là. Pas ça que je vais faire. C'est ça. Et le globe, plutôt le mettre là. Je fais un challenge qui s'appelle le challenge du maudit héritage. Enfin, j'en suis à la fin. Incessamment sous peu, là, il sera terminé. Pardon, excusez-moi. On pourrait mettre une loupiote. Je sais pas. Qu'on mettrait des loupiotes là. Ça ferait pas bizarre. Non. Chambre de personnes âgées. Ok.
Donc là, on serait bon. Pas du tout. Merci pour ton follow, mademoiselle Licornette, et bienvenue à toi sur le live. Non, non, c'est pas un challenge Halloween. C'est un challenge qui existe depuis un petit moment. Quelques mois, je crois. Je sais pas. J'ai pas regardé la date. Ça n'a rien à voir avec Halloween. Re-Lisaline. Re-re, ça y est, t'as donné le bibi? Non, non, je fais beaucoup de challenges, mais je ne me suis pas penchée sur les challenges Halloween, pour être honnête avec toi. Parce que je suis pas une fan d'Halloween. Voilà. Donc, non. Je n'en vois aucun intérêt d'Halloween. Il manque une petite plante, je dirais, pour que la chambre soit complète. Plante d'intérieur. Je vais être honnête avec vous, j'ai horreur des plantes, hein, même en réalité, donc c'est compliqué pour moi là. Je vais être honnête. Merci Knell pour ton follow, c'est gentil, merci beaucoup. Elle s'est réveillée de mauvais poils, dommage qu'on ne peut pas faire comme les Sims, la pauvre. Quel âge est là? Quel âge elle a, cette petite puce? Bon, le mien, il est grand. C'est fini, les bibis. Profitez-en, les Alines. Parce qu'après, je peux t'assurer que c'est une partie de plaisir. 20 mois. Profite. Profite, moi j'ai pas vu les années passées, hein, du mien. Il y en a 21 maintenant. Quand ils sont petits, ce qui est assez marrant, tu verras plus tard. Tu te dis au début, mais mon Dieu, vivement qu'ils marchent. Quand ils marchent, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais tranquille quand ils marchaient pas parce qu'ils cassent tout. Après, tu te dis, mais mon Dieu, vivement qu'ils parlent. Et quand ils parlent, tu te dis, mais j'étais si bien quand ils parlaient pas. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça. Puis quand ils ont 21 ans, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bien quand ils étaient petits. La dure loi d'être parent. Là, là. Profites-en. Profites-en tant qu'elle est petite. Parce qu'après. Je me plains pas, hein, non plus. Hein. Le mien, il n'est pas terrible. Hein. C'est pas un monstre, hein. Mais à 21 ans, de nos jours, ils sont un peu casse-pieds. Tu vois ce que je veux dire? C'est, t'as beau leur dire un truc, on est bêtes, nous. Tu sais, les adultes, on connaît rien. C'est tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Ils savent tout, ils ont tout vu. Voilà. Donc profite tant qu'elle est petite, ouais. Profite bien. Parce qu'après. Tu verras le plaisir que c'est. Quand je regarde les photos, moi, c'est nostalgie. Hein. Ton frère a 20, 26. Non, moi, il n'a que 21, mais c'est bon. Bon, j'ai pas à me plaindre. Hein. Je vais être honnête. J'abuse. J'ai pas à me plaindre du tout. Je n'ai pas à me plaindre. Y a pire, je pense. C'est cool de voir que je suis pas la moins jeune, hein, car quand je dis que j'ai des... Enfin, ils sont étonnés. Ils sont tout jeunes et les Twitchers... Mais écoute, moi, personnellement, je suis pas toute jeune, hein, puisque mon fils a 21. Bon, tu me diras après, je peux l'avoir eu très tôt. Mais je suis pas toute jeune du tout. Les copains à mon fils lui disent putain mais c'est cool t'as une mère qui est gameuse. Lui c'est pas du tout ça quoi. Il arrête pas de râler là-dessus quoi. Et je pense moi je suis venue tard au live hein. C'est parce que je joue aux Sims et que je buildais.
On m'a marqué des commentaires dans ma galerie en me disant, mais pourquoi tu fais pas des lives pour faire tes bulles en live? Je savais même pas ce que c'était un live, hein, je te cache, je savais pas. Et j'ai commencé qu'en mars, hein. Voilà. Et je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je me lance? Et puis non, tu vois. Ça se passe très bien. Enfin, ça se passe très bien. Il y a des couacs, hein, parce que il y a toujours des abrutis partout, hein. Ça, je te l'apprends pas. Je pense pas. On a toujours quelqu'un pour venir dire, ouais, c'est pas, j'aime pas ce que tu fais ou ça me plaît pas. Ben voilà. Ben, en règle générale, je l'envoie promener. Après non, des Twitchers, moi, j'en côtoie beaucoup. Des YouTubeurs aussi. On parle entre nous quand même. Mais oui, tu as des jeunes, mais tu as aussi ceux qui ont entre. Tu en as beaucoup qui ont 50 et quelques années, voire plus, hein. N'y a pas d'âge. Ah oui, non, mais c'est priorité à ta fille. Je disais, par rapport à ce que tu m'as marqué là, que tous les Twitchers étaient jeunes. Pas du tout, hein. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de Twitchers qui ont. Enfin, on appelle ça des streamers. Des gens qui font des lives qui ont 50, 60 ans. Hein. J'ai pas dit que j'avais 50, 60 ans, attention. Hein. J'ai dit, t'en as beaucoup. Il n'y a pas d'âge pour faire des lives. À partir du moment où t'aimes ce que tu fais, où t'aimes ce que tu présentes, et où bah, t'as des gens derrière toi qui, comme je te disais, moi, on m'aurait pas dit dans ma galerie, mets-toi au live, on aimerait voir comment tu buildes, tes builds, ils sont jolis, patin, couffin. Je savais même pas ce que c'était un live, hein, c'est ce que je te disais. Et quand je me suis lancée dans les lives, j'ai dit, mon Dieu, mais dans quoi tu t'es mis? Puis tu vois, ça se passe bien, j'ai pas de problème. Enfin, quand il y en a, ils sont vite résolus en général. Je suis pas du genre à me laisser marcher dessus. Voilà. Pour être honnête. Donc voilà. T'as toujours des gens, de toute façon, pour venir t'embêter. Hein, pour pas dire autre chose. Pour rester poli. Et souvent, ceux qui sont désagréables ou qui critiquent. Hein, quand tu regardes, c'est ceux qui ne font rien. C'est-à-dire, ils font pas de live, ils font rien, ils n'ont pas de chaîne, mais ils viennent critiquer. Voilà, après, ça te plaît pas. Moi, je suis allée, comme je leur dis, hein, il y a des lives, j'y vais. Moi, ça, j'aime pas le contenu, ou j'aime pas. Voilà, ben, j'y reste pas, mais je vais pas insulter ou autre. Voilà. Je viens d'avoir. Au mois d'octobre, je viens d'avoir 48. Je viens juste d'avoir 48 il y a quelques jours. Ouais, on est le 26 il y a une semaine. Une semaine pile poil. Ou alors je fais le contraire. Voilà, chacun ses goûts. Après, bon, je veux dire, tu vas sur un live, ça te plaît pas. Ça peut arriver. Tu n'es pas obligé d'aimer un contenu d'une chaîne ou la personne, comment elle présente. Voilà. Après, moi, je sais que je vais sur des lives, par exemple, où la façon de parler me plaît pas. Je vais pas aller emmerder la personne sur son live en lui disant, attends, tu pourrais parler mieux. Merci, c'est gentil. Mais je suis plus jeune aussi, il paraît en réel, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, enfin, ceux qui me connaissent, puisque j'ai un Facebook Sims aussi, t'as ma photo dessus, tout le monde me dit, tu fais pas ton âge. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, je vais pas me plaindre. Hein. Tant mieux. Si je fais pas mon âge, je vais pas me plaindre. Je sais pas ce truc là. Mais merci pour le compliment, c'est gentil.
Mais je te dis, il y a des gens, ils sont là, voilà, ils font rien, mais ils viennent critiquer. Je sais pas, c'est plus fort qu'eux. Mais bon, en général, ils sont reçus. Alors, je fais juste des vidéos sur mes lectures. Je tiens un blog, une page Facebook où je parle de mes lectures et de mes achats. Ah tiens, bah, sur mon Facebook perso, hein, je parle. J'ai beaucoup d'écrivains. J'ai beaucoup d'écrivains, je lis beaucoup aussi, donc on a un point commun. Bon, je parle de mes lectures, de mes achats, j'aime jouer aux Sims, donc tout est génial pour les idées. Ouais, c'est clair. Bon, après, t'as pas que les Sims, hein. Il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux qui peuvent te filer des idées assez sympas aussi. Les Sims, ça reste sommaire quand même. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais pas me vexer. Hein. De toute façon, il faut bien assumer. Hein. J'ai mon âge. Hein. Bah après, quand je fais, comment on pourrait dire ça? En restant poli. Quand je fais l'idiote, non, je pense que là, je fais pas mon âge. Je pense que j'ai bugué à un moment. Je suis restée bloquée à mes 25, à mes 25 ans par moment. Après, oui, effectivement, j'ai quand même mon âge. Quand il faut prendre des décisions importantes ou des trucs comme ça, non, ça va pas. J'ai pas trouvé un tapis, quoi. C'est affreux. C'est affreux. Il faudrait que je récupère celui-là. Mais alors, ça veut dire bouger ça. Oh là là, mais on va pas arriver à faire une chambre aujourd'hui, quoi. Mais help! Et plutôt celui-là, là. Bon, on se fout du sens du tapis, hein. Après, c'est dans la tronche. Waouh, ça c'est du tapis. J'ai un petit peu trop agrandi, peut-être, non? Ah, quoi qu'on n'ait pas trop le choix. Hey! Ah ouais, ça c'est quand t'as grandi. Oh la vache. Ça y est, ça m'a encore changé l'angle de vue. Non, mais c'est fou ce truc-là. Allez, viens là. Là, j'étais dans la tête, hein. Tous les gamers, de toute façon, on est restés jeunes dans notre tête, hein. Et c'est pas plus mal, je trouve. On pourrait faire ça comme ça. Ouais, je sais pas. Les parties build, c'est très très long à faire. Donc toi, on te remet là. Ah, je pense que c'est mieux. Je pense. Alors, que donne la chambre des grands-parents? Oh, je pense que ça va, hein. Alors, donc, au niveau de la chambre, on est bon. On n'a rien oublié qui appartenait aux grands-parents ici. Non. On est donc bon. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est la lumière. Alors, on va monter. Salut, Thor, bienvenue sur le live. Bienvenue à toi. Donc, suite de l'étape, on va monter. Du coup, j'ai sorti tout le monde du lit. Là.
Tout le monde faisait son gros dodo. Ils vont pas être contents, mes Sims. Ah oui, eux, je leur ai enlevé leur lit. Ah oui, c'est vrai. Merci pour ton follow, Thor. C'est gentil, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Donc, on va monter. Normalement, on devrait avoir fini, si tout va bien, ce challenge aujourd'hui. Voilà. La grande décision du siècle, le challenge sera fini aujourd'hui. Ça va, 15, 13 épisodes, 14 épisodes, ouais, peut-être 15. Est-ce que ça fait quoi? Je parle, mais... Peut-être un autre épisode, mais on l'aura terminé, ça c'est sûr. Alors, donc ici, c'est devenu la chambre des parents. Donc, faut monter le bureau qui est en bas. Évidemment, si on le monte, c'est qu'il est en bas. Shirelle et ses grandes phrases quand elle n'est pas réveillée, ça donne ça. Ne vous moquez pas. Donc, la bibliothèque, on la monte. On va mettre où? Voilà. Et à la limite, lui, il va peindre. Tac. On va monter. Il peut peindre là, lui. Ça passe là. Ouais. Ok. Donc, le but d'aujourd'hui, pour ceux qui arrivent, c'est de changer le bas du manoir. Voilà. Donc, la cheminée, la salle, on va la vendre. Hein. Donc, est-ce que j'oublie rien dans l'ancien bureau? Niveau photo ou autre? Puisque moi, comme je vous ai dit, je suis très très photo. J'aime pas trop mettre les cadres. Le pauvre petit bambinou, il était en train de faire dodo. Je l'ai sorti du plumard. Hein. En vendant son lit, hein, comme une voleuse, quoi. Le pauvre. Donc, j'ai vendu leur lit. D'accord, ok. Ok, donc on va leur retrouver un dodo. Il faut qu'on fasse gaffe à nos sous, quand même. C'est pas que. C'est pas que, c'est pas que. On n'est pas millionnaire. Lequel j'avais mis? Je crois que j'avais mis celui de saison, mais je l'aime pas à cause du côté. On va regarder, mais je l'aime pas à cause du côté matelassé là. C'est celui-là qu'ils avaient. Ouais, celui-là, mais en marron comme ça. J'aime pas ce côté matelassé du lit là. Sinon, c'était sympa avec le côté oreiller. Je préfère celui de la jungle. Vu le style du manoir qu'on retape, je trouve plus sympa celui de la jungle. Beaucoup plus approprié. Ouais, voilà. Ça va être plus joli comme ça, je pense. Alors. On va monter les affaires, on rangera après. Alors ensuite. Donc ici, il n'y a plus rien. Ok. Parce que là, on est bon. Alors là, il y a la cuisine, la salle de bain. Là, c'est la petite cabane où il y a le bricolage et le botanisme. Donc, comme je disais au début, pour ce qui arrive, redonner une vie à ce manoir qui était en ruine, en gardant l'idée de base que c'était un endroit de très festif où le tonton qui est mort faisait beaucoup de fêtes, je pensais en bas faire, je sais pas, une grande pièce festive ici, peut-être.
Une salle de sport, je sais pas. À vous de m'aider là-dessus si vous avez envie de participer. Pour l'instant, je vais monter les affaires. Donc peut-être que là, vu qu'on a des pièces ici, donc là il y a le bambin. On est d'accord. J'hésite entre mettre le bureau et la chambre des parents ici ou mettre la chambre des parents et le bureau ici. Je sais pas. Salut Georgie, comment vas-tu? Tu es pas à l'école toi, à cette heure-ci? T'as pas école? Tu pourrais devenir millionnaire avec un code. C'est une bonne idée. Un code? Je pourrais devenir millionnaire avec un code. Je comprends pas ce que tu veux dire, Thor, par devenir millionnaire avec un code. J'ai marqué un mot sur Facebook. Ok, Georgie, j'irai voir ça. J'irai voir ça. J'hésite vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas si ça serait pas mieux de mettre la chambre des parents ici. Et je sais pas. Hein, ça fait grand là. Hein. À côté de la chambre du bambin. Code de triche? Non, dans les challenges, Thor, tu triches pas. Un challenge, tu respectes les règles. Surtout que c'est un challenge où tu commences avec zéro. Donc, voilà. Donc, non, non, je triche pas. Oui, ça fait un an. Non, pas un an, Georgie. J'ai commencé ma chaîne qu'en mars. Donc, ça peut pas faire un an, Georgie. Ça fait, oui, depuis le début de la chaîne, ouais. Depuis le début de la chaîne, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, je mettrai plutôt à ce moment-là. Ferai plutôt ça. La chambre ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Le bureau. Ici. Et non, ça fait pas un an. J'ai commencé les lives en mars. Donc, calcul, on est au mois d'octobre. Donc, ça fait 6 mois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Ça fait 6 mois. Je mettrai le bureau là, et à la limite, peut-être que lui, on pourrait lui faire son atelier là, comme ça on pourrait afficher ses peintures. Voilà. Alors, va falloir que ça me rentre dans la tête, hein, que tout ça est monté là, hein, parce que je vais pas m'en rappeler, hein. Je suis tellement habituée à être en bas. Mais bon, c'est la fin du challenge, hein, donc. Donc au niveau de la chambre ici, il y a un meuble qui manque. Hein. Il est là, le petit meuble. Ça fait pas déjà non. T'as marqué sur Facebook quoi encore? Qu'est-ce que t'as marqué, Georgie? Là, par contre, je sais pas s'ils vont passer. Les murs, hein, sont assez exigus, mais c'est pas moi qui les ai choisis, hein, c'est le challenge qui est comme ça. Walou. Je réfléchis, hein. M'en veuillez pas. Faut qu'il peigne lui parce qu'il faut qu'on décore là. On est à combien là? Parce qu'il faut qu'il
pour qu'il faut qu'il fasse au moins 120 millisim flouze. Oh, ben, ça va, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, ils ont plus de cheminée dans la chambre. C'est embêtant, ça. Et elle a plus de cheminée dans le bureau. Ah. Bref, on va voir après. Je vous laisse, ma fille demande l'attention. Gros bisous, Lisaline. Merci encore à toi. De gros bisous à ton petit bout. Et puis, j'espère à très vite. J'espère te revoir très vite. Mais ce sera sur un autre challenge, parce que celui-là, j'aurai fini, je pense. Donc ça, on va le monter. Non, on va le vendre. Je sais pas. Non, il montera, le Pichu. Alors, c'est là où on va s'embêter si je veux faire ce que je voulais faire. C'est là où ça se complique dans ma tête. Non, j'aime bien qu'ils peignent, en fait, hein, quand ils sont ensemble, tous les deux, là. Comme ça, ils papotent. Ils parlent ensemble. Et leur social, comme ça, il diminue pas. Voilà. Hop. Alors, dans l'inventaire... alors, attends. Ben, j'ai marqué que ça faisait un an que je te connaissais. Je t'ai remercié pour toute cette année de bonheur. Ah, bon, c'est pas grave, à quelques mois près. Hein. Tu remarqueras la même chose à mars prochain, à mars 2019, ça fera un an. Fin mars 2019. Je crois que j'ai dû commencer la chaîne aux alentours du 28 mars, un truc comme ça. Tu fais n'importe quoi en ce moment, Georgie ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Là, je lui aurais bien mis, pour être honnête, mais je suis pas sûre que ça passe. J'aurais bien mis une coiffeuse dans ce petit truc-là, parce que je sais pas quoi en faire. Je vois pas l'intérêt d'aller y mettre des portiques avec des vêtements, des trucs à chaussures. Pourtant, c'est fait pour. Hein, ça, pour moi, ça serait fait pour. Mais j'en vois pas l'intérêt, là. Je crois qu'on peut peut-être le faire. On va essayer un truc... c'est d'un vintage, donc pack. Hein. Je vais pas te chercher 30 ans. J'ai dit à une personne, je t'adore, sauf que je me suis trompée de personne. Et alors, comment t'as récupéré le coup? C'était à une fille. Me dis pas que c'était à une fille que t'as fait ça, la pauvre. Alors, le pack cœur de gloire. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, pas grand-chose, comme d'habitude. Tu me connais, Georgie. Moi, les packs, dans le sens où je fais que des challenges, moi, les packs, ils ont absolument aucune importance pour moi. Voilà, ce genre de pack, du moins. Attends. J'attrape un truc parce que j'ai froid. On dirait pas Mimpel maintenant. Alors, j'ai vu le trailer. D'accord. Ou comme d'habitude, hein, comme... et alors, j'ai rien dit. Et si... c'est en plus, c'est une fille, la pauvre. Donc, pour répondre à ta question, j'ai vu le trailer, la bande-annonce hein, du pack. Donc, c'est un pack où on va être célèbre. Donc, sachant que moi, je sais pas si tu t'en souviens dans mes parties, j'avais déjà le mode pour être célèbre. Donc, voilà. Maintenant, le pack, j'ai regardé le live quand les Sims Guru ont fait le live où ils ont présenté le pack. Donc, tu vas avoir des nouvelles carrières, style comédien, chanteur, enfin, blablabla. C'est les paillettes, tu vas avoir une nouvelle ville, une nouvelle carte. Voilà, c'est encore un pack à 40 euros. Je suis déçue.
Je suis déçue puisqu'ils avaient promis de sortir, après les 16 ans, quand ils ont fait faire le vote, ils avaient promis de sortir un pack avec des super pouvoirs, style les sorcières. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, mais j'ai toujours mon gros coup de cœur pour la jungle, pour les meubles de la jungle. La jungle, le jour de lessive, etc. C'est un de mes, c'est des meubles que j'aime beaucoup. Bon, pour répondre à ta question, je suis déçue parce qu'ils avaient promis, donc suite aux saisons, de sortir le pack des super pouvoirs, tu sais, avec les sorcières, ils avaient fait voter. Et c'était le pack des super pouvoirs. C'est vrai que quand tu regardes les Sims, à part les aliens et les vampires, il n'y avait pas grand-chose. Donc ils avaient promis de sortir ce pack qui aurait fait 19, qui aurait été dans les 19,99. Donc on s'attendait tous à ce pack-là. Quand on savait pas, mais normalement, sur... et là on voit arriver encore un pack à 40 euros où il y a une nouvelle carte ce coup-ci, hein, pas comme dans les saisons, t'as 40 euros mais sans carte. Tu sais ce que je pense du pack des saisons, on a assez débattu là-dessus et j'ai toujours pas changé d'avis dessus. Bah, je suis déçue parce que je m'attendais pas à ça. Maintenant, qu'est-ce qui va apporter? Oui, une nouvelle carrière. Tu vas pouvoir suivre ton Sims dans les studios, s'il est comédien, chanteur, etc. Après le contenu, toujours d'après le trailer, hein, maintenant, j'attends de voir un live où ils vont montrer vraiment le contenu. Ouais, mais Jordi, c'est encore un pack à 40 euros. Il y a un pack à 40 euros, il n'y a pas longtemps, les saisons qu'elles sont sorties. Donc ça fait deux packs à 40 euros très très vite là. Alors qu'il s'était engagé sur un pack à 19,99 de super pouvoir. Donc c'est là où je suis déçue. Et je vais pas être la seule, hein, parce que tout le monde était ravi quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir le prochain pack serait un pack super pouvoir. Maintenant, bon, les goûts et les couleurs. Après, moi, tu sais comment je joue, c'est des challenges, donc les saisons, tu sais ce que j'en pense. Moi, ça n'a aucun intérêt dans mes challenges. Ça me pose plutôt des problèmes qu'autre chose. Mais bon, on n'a pas eu le choix de l'acheter. Donc, il fallait l'acheter. Donc, on l'a acheté. Hein. Après, être célèbre, ça va t'apporter quoi? Un nouveau métier, d'être comédien, chanteur, etc. Et de pouvoir suivre ton Sims au travail. Voilà. Après, le contenu, ils ont montré un petit peu. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, pour être objective et claire avec toi, c'est que ça soit le même problème qu'on a eu avec les saisons. C'est-à-dire que va y avoir une mise à jour là dans pas longtemps, une grosse mise à jour où ils vont faire un ajout de contenu pour les terrains, pour la construction, tu sais, avec les où tu vas pouvoir faire des constructions à hauteur, etc. Plus des meubles, plus des coiffures. Et après va venir le pack le 16 novembre, jour de gloire. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que ça se passe comme pour les saisons. C'est qu'on se retrouve avec des gros bugs et des grosses merdes comme ça s'est passé dans les saisons. Voilà. Après, ce pack, j'attendrai qu'il y ait, je pense, si je le prends, j'attendrai qu'il y ait d'autres packs et je le prendrai en tir groupé, tu sais, sur Instant Gaming. Parce que pour moi, il n'a aucun intérêt. Parce que je ne fais pas de gameplay, je fais que des challenges. Donc, une nouvelle carrière dans la mise à jour. Alors, dans la mise à jour, je ne suis pas sûre. La nouvelle carrière, elle vient dans le pack. Ça sera la carrière. Tu as plusieurs carrières. Tu as comédien, chanteur, d'après ce qu'ils ont dit, si je dis pas de conneries. Carrière, chanteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chanteur, je sais plus. On ne sait pas s'il va y avoir maquilleur. C'est assez flou là-dessus encore. À voir. À voir, mais c'est pas un pack que je vais où je vais sauter dessus, quoi, tu vois. C'est voilà. Voilà, styliste, oui, peut-être, oui, styliste. Non, là, tu vas avoir dans la mise à jour, il y aura une tablette qui se rajoute pour pouvoir peindre. Tu vas pouvoir peindre, mais voilà. Voilà ma réponse. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai vu le truc. J'attends de voir. Tu sais comment je suis. Je vais pas sauter sur les toits. C'est pas le pack que j'attendais. Je suis pas la seule d'ailleurs. Donc c'est pas du tout le pack qu'on attendait. Et tout le monde est surpris de ce pack. Donc à voir quoi. Toujours pareil.
Avoir une tablette. Bon, après, cette tablette, elle est intéressante, par contre. Hein. Enfin, moi, je la trouve intéressante. Mais toujours pareil, c'est à voir, quoi. Je vais te redire la même chose que je t'ai dit plusieurs fois, Georgie. C'est une bande-annonce. C'est comme pour les films, quoi. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis maintenant. C'est comme pour les films. La bande-annonce peut être très sympa et tu vas voir un film au ciné. La bande-annonce, elle est sympa et le film est pourri. Et au contraire, tu vas avoir une bande-annonce complètement pourrie et le film, il est génial. Donc, je vais pas me positionner là-dessus. Simplement, je te dis, c'est pas un pack que je vais acheter dans l'immédiat. Je pense que ça peut largement attendre, mais largement. Et j'attendrai qu'il y ait plusieurs packs. J'espère qu'ils vont sortir les pouvoirs. Et à ce moment-là, quand il y aura un tir groupé, je le prendrai, ouais, mais beaucoup plus tard. Voilà. Pour l'instant, ça n'a, moi, dans mes parties, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, mon petit Georgie. Pour moi, il n'a absolument aucun intérêt. Dans mes gameplays, hein, je précise, parce que j'ai encore à avoir des gens qui vont me tomber dessus. Dans mes parties, du moins. Bon, c'est pas ça que je veux. Bon, je vais avancer ça. Hop. Sinon, je vais pas le finir comme j'ai dit. Ça va pas être bien. Si je tiens pas mes promesses. Voilà. Pourquoi ça se met comme ça? Ah bah aussi, c'est normal. J'avais oublié. Voilà, tu as mon opinion. Au veto. Là, moi, je vais avancer les autres challenges, mais j'ai vu un challenge qui me plaît bien, que je vais tenter. Il a l'air assez compliqué, à gérer du moins. C'est le challenge être un bon éleveur. Je crois que c'est comme ça que le titre, hein. Enfin, tu dois avoir un Sims tout seul avec soit 7 chats, soit 7 chiens. Et tu dois les éduquer le mieux possible de bébé jusqu'à leur mort. Donc, je crois que ça va être une partie de plaisir et une bonne partie de rigolade. Voilà. Mais je vais d'abord finir les challenges que j'ai en cours. Parce que j'ai pris pas mal de retard. Putain, j'achète des trucs, moi. J'achète vachement de trucs, là. Mais j'ai presque plus de sous, en fait. Je n'ai presque plus de sous. Mais bon, ça prend de tournure. Ah, mais il va plus rien y avoir en bas. Mais Chirelle, tu fais n'importe quoi. C'est sa faute à Georgie, hein. Veto, j'ai jamais accroché, Georgie. Donc, de ce côté-là. Jamais accroché au truc de veto. C'est toujours la même maladie qui revient, quoi. Tu peux les soigner en leur mettant le cône de la honte non-stop, quoi. Donc, et c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc, je trouve ça un peu con. Donc, veto, non, j'ai jamais accroché. Je fais veto, mais les vétos, c'est quand j'ai des animaux et je les mets. Je fais le truc chez moi. Voilà. Tu prends le truc de veto et t'apprends le métier de vétérinaire chez toi. Je fais plus comme ça. Je me suis créé une très jolie veto. Je l'ai mise dans ma galerie. Ben, cool. Cool. Moi, j'avais fait une belle clinique veto aussi où je pouvais habiter. Voilà. Et puis, j'ai été très déçue comme beaucoup. Hein, voilà. Je ne suis pas la seule à le dire. On a été nombreux à être déçus du métier de veto. Pourquoi? Parce que tu tournes toujours autour de la même maladie. C'est toujours. Tu mets le cône de la honte, tu gagnes 30 simflouz. 30, ouais, je crois que c'est 30 simflouz. Avec le cône de la honte et le médicament, il en vaut 25. Donc tu lui mets toujours le cône de la honte, quoi. Le cône quand ils sont malades et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ça a déçu beaucoup de gens, mais après, bon, voilà quoi. Après, voilà, voilà. Donc en bas, on va plus rien avoir en fait, puisqu'on est fauché. Puisqu'on est fauché, on n'a plus rien en bas là. Je rêve pas. Donc ça, ici. J'ai jamais à savoir dessous, 3000 là peut-être. Pour ce que je voulais faire en fait. Donc ça, ce serait une peinture qui monte, ouais, qui va rester là. Ce serait plus une peinture qui monterait à l'étage. Ça va faire petit comme salon là. Quoique. Ah, les chiottes à côté, ça craint. Hein. Ouais, j'aurais dû faire le contraire en fait. Ouais. Faire le salon, la cuisine ici. Salon, salle à manger, je veux dire. La cuisine, peut-être, ouais. Et en bas, donc, faire une cuisine resto, style resto, pour quand ils reçoivent du monde, pour redonner le côté ambiance d'autrefois qu'il avait, quoi. Ouais, donc faut que je change ça de place. Et allez, on rebouge les affaires. Vive le build! C'est-il, madame la créatrice du challenge? Vous ne nous avez pas raté de ce côté-là. Alors, j'espère qu'elle m'entendra, c'est-il. J'attends le numéro 2, c'est-il, hein, avec impatience. Que j'attends le numéro 2. Voilà. Donc, on va redécaler ça. Alors, on va le mettre où maintenant ça? Où va-t-on mettre la commode? Enfin, ça aura été un challenge. Là, on arrive à la fin. Hein. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment un challenge que je vous conseille. Hein, parce qu'il est vraiment super, super plaisant à faire. Ça vous allie le build avec le gameplay. Et franchement, c'est un bonheur, ce challenge. Franchement. Merci à toi, Cécile. Et j'espère sincèrement que le bruit qui court, comme quoi tu as fait un 2, c'est vrai. Je le souhaite. Je le souhaite sincèrement. C'est parce que c'est un vrai plaisir à faire ce challenge. Et pour ceux qui ne savent pas bien builder, ça peut vous aider. Parce que quand vous héritez du manoir, je peux vous assurer que c'est loin d'être une partie de plaisir, hein, l'affaire. Voilà. Donc ça. Dommage, on voit pas bien. Je vois pas bien les couleurs. Alors, je me suis créée un nana. Moi, c'est la fille à ma big sister qui est veto. Elle est ado. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as fini le big sister. Je l'ai pas fini. Il faut que je le reprenne aussi. Mais quand j'aurai fini celui-là. Qui est veto? Elle est ado. Elle est en appart. Elle a quatre chiens et un chat. Tu as dit le truc qui court. Oui, il y a un bruit qui court comme quoi c'est-il, celle qui a créé ce challenge, a fait un numéro 2. Et vraiment, si c'est vrai, j'y saute dessus. Parce que franchement, je me suis bien éclatée sur ce challenge. Je me suis pas lassée du tout, quoi. Il est vraiment très, 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 très bien. Voilà. Challenge que je recommande. Le prochain que je ferai, enfin, je vais d'abord finir mes challenges que j'ai en cours, donc le Big Sister. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aime pas du tout, ça fait trop clair cette affaire-là. Tu me perturbes, Georgie. Le pauvre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il faut d'abord que je finisse le Big Sister. Je suis presque à la fin du Under the Dome. Hein. Tu te rappelles, ceux qui sont fermés dans le dôme, là? J'ai aussi celui de Tournesol à continuer, là, le challenge du bébé Elphink. J'ai le Legacy à faire, ces 10 générations. J'en ai tout un tas que j'ai commencé. Et là, j'en ai trouvé un, je te dis, le challenge du meilleur éleveur, qui me tente bien à faire et qui a l'air bien, 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 bien galère à faire. Donc, je sais pas encore. Je sais pas ce que. Comment je vais tourner mon truc. Je sais pas du tout. Va falloir que je tourne, hein, parce qu'entre les jeux de survie. Les jeux de survie. Les challenges des Sims. Les Life is Strange, parce que. Le problème, c'est que je peux pas satisfaire tout le monde. Et sur la chaîne YouTube, on me dit, allez, quand c'est que y a le prochain épisode de ça? Et sur l'autre, on me dit, quand c'est que tu fais le prochain épisode? Je peux pas faire tous les jeux à la fois, c'est pas possible. Voilà. Je peux pas faire H24 de jeux, c'est pas. Déjà, moi, je tiendrai pas le choc. Je ne tiendrai pas le choc. Donc on verra. Je ne sais pas ce que sera le prochain. Je pense finir le Under the Dome car j'étais quasiment à la fin. Donc, je pense que je continuerai celui-là. Après celui-là. Ou peut-être le Big Sister. Je ne sais pas. Je me tâtonne. Comme on dirait. Ah tiens, j'ai oublié une texture là. Ok. On va se ruiner. On va plus avoir un rond. Hein. Ça va être chaud là. Donc. Oh, j'ai eu peur. Oui, j'ai vu ça. Merci pour le Georgie. Oui. Ben, j'ai dépassé les 300 follow tout à l'heure. Et là, j'en suis à 303. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est à vous que je le dois. Hein. C'est pas moi. Donc merci à vous de votre soutien. La chaîne YouTube bah, tourne pas mal non plus. Donc merci, merci beaucoup. Merci Amrevens pour ton follow et bienvenue à toi sur le live. Ouais, la chaîne Twitch bah, qui est toute jeune, hein, qui est un tout petit bébé. Ben merci encore, je peux vous dire que ça. Merci parce que. En peu de temps, elle monte. Bon, je dépasse. J'en suis qu'à 15 followers, mais elle a quoi? Elle a même pas 2-3 mois la chaîne. Donc, ben, tant mieux. Si ce que je fais, ça vous plaît, ben, c'est le principal. C'est le principal. Je peux vous dire que merci. Merci d'être là. Merci à ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé mes lives. Non, sérieux, je sais pas quoi vous dire, quoi. À part merci. C'est le premier live que tu regardes sur Twitch. Eh bien, écoute, ben merci à toi. Sois la bienvenue. Voilà, c'est un challenge, moi, que je fais. Au niveau des Sims 4, je ne fais que des challenges. Donc voilà. Donc là, je suis dans le parti. C'est un challenge qui te donne à la fois du build et du gameplay. Donc là, je suis plus dans la partie build. J'ai fini d'ici 2 épisodes, le challenge, il est fini. Donc je basculerai sur un autre que j'ai déjà commencé. Là, je suis en train d'essayer d'aménager pour d'arranger puisque j'avais hérité d'une ruine. Donc, il a fallu retaper en respectant les photos qu'on avait du challenge, respectant les murs, les fenêtres, les portes. Voilà, et tu le refais à ta sauce. Mais je t'avoue que c'était. Il était très 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 très. Et quand je dis très très très, c'est pas exagéré. Ce challenge était vraiment très agréable à jouer. Merci à toi, c'est-il, d'avoir créé ce challenge. Et comme je dis, il y a un bruit qui court, comme quoi il va y avoir l'épisode 2. Mais je le souhaite de tout cœur et j'y sauterai dessus sans problème. Ça a vraiment été un plaisir ce challenge. Jordi, tu es tombé sur la bonne personne. Ah!
Non, il n'y a pas de bonne personne, on joue tous différemment. Il y en a qui vont aimer faire du gameplay basique, je dirais. J'en ai fait, mais maintenant ça m'apporte plus rien. Donc voilà, moi je fais que des challenges. Donc ça s'arrête là. Donc ça, c'est les peintures qu'il avait fait au tout début. Donc on va les mettre ici. De l'épave hein, qu'on avait commencé à arranger. On va les mettre là. Sais pas, il va me faire pitié tout seul dans son petit coin. Le pauvre. Peut-être plutôt comme ça, non? Bon, on s'en fout, ça. On verra. Le smiley, tu t'y attendais pas. Tu joues au jeu vidéo, celui à la fin de mon message. Ah! Bon, moi, je fais pas que du Sims 4. Hein. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu as beaucoup de jeux de survie. Tu as les Life is Strange, tu dois connaître, I'm Rêveuse. Tu as les Life is Strange, en ce moment, je suis en train de faire un Life is Strange Before the Storm. Tu as Silence, qui est un jeu qui n'est pas très connu, mais qui est très mignon, qui est super adorable. Voilà, tu as des jeux de logique, tu as des jeux marrants, comme Two Points Hospital, qui est sorti au mois d'août, où tu dois créer ton hôpital, soigner des têtes d'ampoule et tout le bazar. Donc, je me marre bien avec ce jeu-là. Et après, tu as des jeux comme The Forest, des jeux de survie, des jeux hardcore, des jeux un peu plus hard. Pas de Fortnite, pas de trucs comme ça. J'aime pas les jeux à flingue. Voilà. Donc. Mais si tu veux, tu as la chaîne YouTube, tu peux regarder. Tout est rangé dans des playlists. Life is Strange, ta vie. Alors, Silence, c'est un petit garçon qui. Les graphismes sont très très jolis. Il n'est pas cher du tout. Mais tu l'as sur ma chaîne YouTube si tu veux aller jeter un œil. Tu as le lien en dessous. C'est un petit garçon qui doit s'occuper de sa petite sœur. Voilà, tout simplement. Et elle fait que des bêtises. Et tu dois résoudre des énigmes en fait dans ce jeu. Et tu vas jouer un coup avec le frère parce que la petite sœur s'est fait la malle. Et un coup, tu vas jouer avec la petite sœur parce qu'elle s'est fait la malle. Et puis tu dois essayer de résoudre des énigmes comme ça. Et c'est vraiment super joli et les graphismes sont super beaux. Et j'ai fait que 3 épisodes pour l'instant. J'en ferai un quatrième très bientôt. Mais il est vraiment très très mignon et la petite est adorable. Enfin, c'est assez marrant. Enfin, elle a des réflexions. C'est une petite fille qui doit avoir 3 ans, 4 ans. Mais quand elle parle, c'est super mignon. Enfin, voilà. Mais bon. Je te laisse découvrir la chaîne YouTube si tu as envie. C'est toi qui vois. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous verrez les jeux que je fais. Et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Et comme ça, vous verrez ce que je fais, tout simplement. Bon, je n'arrive absolument pas à trouver ce que je veux faire. Voilà, comme ceci peut-être. Non, hein. Marron, c'était mieux. Marron, c'était mieux. On n'a pas de marron foncé, c'est dommage. Ah oui, mais là, on n'a plus du coup de. Pff, là, 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 là. C'est compliqué. Quel est le nom de ma chaîne? Bah, tu tapes Shirelle. Shirelle. Comme c'est marqué là sur Twitch. Et tu vas trouver ma chaîne, il n'y a pas de problème, ou je peux te mettre le lien si tu veux. Je vais te mettre le lien. Attends, bouge pas, je vais te mettre le lien directement dans le chat. Ou juste en dessous, tu as le lien aussi, il y a écrit ma chaîne YouTube. Hop. Évidemment, je rate le truc. Copier. Chirelle Twitch. Voilà, je t'ai mis le lien dans le chat.
Alors, tu t'abonnes si tu veux, hein, c'est pas une obligation, c'est si le contenu te plaît. De toute façon, comme j'ai pas d'horaire de live ni de jour de live, je reposte automatiquement les lives que je fais sur Twitch. Donc tu les retrouveras, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout parce que je ne sais pas faire. Et je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je préfère reposter les lives tels qu'ils sont. Comme ça, ben, avec les boulettes, quand je meurs dans un jeu de survie, ben, je meurs. Je coupe pas pour dire, ah ben je suis pas morte. Non, je suis morte, donc j'assume. Voilà. Oh, j'ai peur. J'ai pas vu le nom. Merci Tinuvale pour ton follow. Merci beaucoup. Et sois le bienvenu sur le live. Donc tu trouveras sur le. Ça va faire du change. Ça, je trouvais bien au début les applaudissements quand quelqu'un faisait un follow. Maintenant, ça m'agace. Ça fait un bruit pas possible. Hein, ça doit vous casser les oreilles. Il va falloir que je change ça. Que je trouve un autre moyen de. Un autre son. Parce que les applaudissements, c'est pas possible. Donc. Ouais, je sais, mais tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui est venu aussi. Ça lui a fait peur. Ouais, non, faut que je le change. Même moi, je me fais peur toute seule. Ben coucou, Tinuvel. Merci encore pour ton follow, hein, et sois le bienvenu ou la bienvenue. Voilà. Âme rêveuse, je suppose qu'elle s'est perdue sur ma chaîne YouTube. Elle est en train de tout regarder. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va continuer ça. Alors, mon idée. C'était, donc vu qu'on arrive à la fin du challenge, sachant que auparavant c'était un lieu de fête par le tonton qui est mort. Donc on a hérité de la ruine, on l'a retapé, blablabla, je repars pas depuis zéro. Et je pensais faire, en gros, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que le bas soit réception. Vous voyez, par exemple, au lieu que la cuisine, là, qui est privée, puisqu'au début, on a aménagé le rez-de-chaussée, après, on a aménagé le premier étage, après, on a aménagé la pièce en haut, et il y a un sous-sol. Ah, ok, Amrive, c'est pas de problème. Donc, ce que je pensais faire, je me suis dit, bon, dans le challenge, c'était un manoir qui faisait la une des journaux. Aurélia, on se connaît de chez Ekia. Ah oui, Aurélia, oui. Comment vas-tu? Ça fait un moment que je suis pas allée chez Ekia. En ce moment, je m'endors quand Ekia live, quoi. Donc, quand il fait les lives, je suis en train de dormir sur mon canapé et je me suis endormie devant la télé, quoi. Donc, je suis assez crevée en ce moment, donc voilà. Comment vas-tu Aurélia, tu vas bien, j'espère. Donc, mon idée pour vous la finir, en fait, donc, vu qu'on a fini de rénover, donc au début, évidemment, on a fait le sous-sol pour qu'ils puissent avoir un toit sur la tête, hein, voilà. Donc, ce que j'avais comme idée, c'était en fait qu'ils habitent à l'étage, donc monter tout ce qu'on avait en bas. Et en bas, vu qu'avant, le tonton qui nous a légué la ruine qu'on a retapée, faisait beaucoup de fêtes ici. Donc, je pensais faire une cuisine style resto, voilà, ici, avec une grande salle à manger, une salle de sport, enfin voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est ce que je pensais faire. Seulement, je sais pas trop où mettre ma cuisine en haut, quoi. Voilà, c'est là mon problème. Je suis nanana, merci du coucou, ça va très bien, merci. Alors, tu me grondes pas, Chirène. Pourquoi je te gronderais, Georgie? Qu'est-ce que t'as fait encore? Dis-moi tout. Qu'as-tu fait encore? Donc la chambre du petit serait un petit beaucoup grande, hein. Un petit peu beaucoup grande. Oh, qu'est-ce que je parle bien le français le matin, moi. Vaut mieux que je live le soir. La chambre, ouais, elle est un petit peu grande. Donc ici, on pourrait faire la cuisine à la limite, hein. Vous en pensez quoi? Ah, mais c'est pas grave, Georgie. Bah, t'étais pas abonné à la chaîne, mais tu me suis depuis les débuts et t'es quasiment là tous les jours. Enfin, tous les soirs. Enfin, quand je live, quoi. On va y arriver. M'en veuillez pas. Je suis pas habituée à live le matin et je suis pas encore bien réveillée.
Le matin, c'est 11h. Oui, mais Georgie, je suis en live depuis. Je me suis endormie. Il devait être 22h. Salut Lola, bienvenue à toi sur le live. J'ai dû m'endormir sur les coups. Allez, je te dis pas de bêtises, Georgie. De 22h. Et je me suis réveillée à 3h du matin. Donc, je suis en live depuis 4h du matin. Donc, voilà. Non, je ne suis toujours pas réveillée. Tu sais bien que moi, je vis la nuit. Donc, avec mon boulot et tout, je suis plus habituée à être de nuit que de jour. Mais ce pauvre bambinou, il va avoir la cuisine à côté. Ça va pas, ça. Ça va pas. Je vais déprimer. Je vais déprimer. Donc, la chambre, faut qu'elle reste comme ça. Mais pourtant, ça serait super ce que je voulais faire là. Ça aurait été bien. Que ça aurait été bien. De faire la chambre. Enfin, la chambre. La cuisine ici, là. Avec le salon là. Mais bon, il aurait la cuisine à côté. Le petit bambinou, c'est pas cool. Pourriez m'aider, hein? Franchement. Vous êtes 11 là et personne m'aide. Vous m'abandonnez. Je vais me plaindre. Oui, tant mieux pour lui, oui. Ouais, mais il faut que je monte le salon aussi et il faut que je monte la cuisine. Et donc ça fait deux pièces. Salle de bain, on va la changer. Ça fait deux pièces. Et j'ai que ça. Trois pièces. Non, deux pièces. Ouais. Je sais pas. Ou alors, on peut faire la chambre du bambinou là et la grande cuisine là. Oh, je sais pas. Aidez-moi. Aidez-moi. Ouais, je pense changer la chambre du gamin, mais je vois pas où la mettre. Surtout où je. La cuisine, ouais, faudrait qu'elle prenne la place de la chambre du gamin. Tu as raison de ce côté-là. C'était mon idée aussi, puisque c'est la même taille. Mais après, faudrait que là. Ouais, on va faire ça, ouais. Le problème, c'est que la salle de bain, touchée, c'était pas mal. Je peux pas casser les murs, hein, c'est interdit par le challenge. Donc ça fait une petite chambre hein, quand même. Hein. Ou alors, faut que je rebouge tout. Les parents les remettent là-bas. Et mettre la chambre du bambin ici. Comme ça, il aurait tout ce coin-là pour lui. C'est compliqué. Alors, vous me dites quoi? Si tu collais la cuisine avec le salon ensemble. Oui, c'est ce que je veux faire, Lola. Le bambin, tu le mets dans une niche dehors. Oh, t'es méchant. T'es nouvelle. Enfin. Sims 4, parfois, pas les dents. Oui, c'est ce que je veux faire, en fait, Lola. Coller la cuisine et le salon qui sont en bas. Donc, ça voudrait dire. La cuisine, il faudrait. Ah oui, je suis passée à l'étage supérieur. Ça voudrait dire mettre la cuisine ici, où elle est en bas. Le problème, c'est qu'ici, dans cette pièce-là, tu as. Ce truc-là, qui sert à rien, mais t'as pas le droit de casser le mur. Et tu as cette pièce-là qui se rajoute, qui serait une salle de bain. Donc qui se transformerait à ce moment-là en réserve. Je sais pas trop. Je pensais le finir aujourd'hui, mais je crois que je me complique. Hein. Mais ouais, mais Georgie, regarde. Si le bambin, je le mets là. Il va se taper la cuisine à côté, quoi. C'est pas terrible, ça. Alors que il lui faut une grande chambre quand même au petit bout, ça prend beaucoup de place. Si je bouge ça, que je le remets de l'autre côté là-bas, admettons, la chambre des parents que j'ai mis là, je la remets là-bas. Comme ça, le bambinou, il a tout ça pour lui. Ces deux pièces. Ce qui reviendrait à ça.
Et ici, à ce moment-là, on aurait la cuisine et tout ça pour faire le... Ah ben non, on aurait que la cuisine là, la chambre des parents et le bureau. Je suis perdue! Je peux pas t'aider, jamais joué aux Sims. Non, mais là, c'est pas une question de Sims. C'est une question que j'ai une idée con, quoi, en fait. C'est que je me suis dit, voilà. Donc, ce manoir, tu en as hérité. Il faut que tu aboutisses au minimum à 120 Sim, 120 000 Simflouz. On en est à 117 907 Simflouz. Et j'attendais que le bambin qui n'était pas prévu au programme, vu que moi j'utilise MC Commander, j'attendais qu'il grandisse pour me faire qu'il puisse monter à l'étage. Donc après, il me restait tout l'étage, quoi. Plus un sous-sol, plus une chambre dans les combles. Donc j'ai déménagé les grands-parents qui étaient à l'étage, je les ai mis dans les combles. Je me suis dit, pourquoi ne pas refaire en bas au sous-sol un truc, puisque c'était un manoir où les gens venaient faire la fête, etc., un lieu de fête, etc. Tout le rez-de-chaussée, que ça soit qu'un truc de fête et qu'ils habitent, eux, à l'étage. Et une fois que ça s'est fait, le challenge est fini. Donc, voilà. Le tout est de trouver dans quelle pièce positionner le truc pour que ce soit harmonieux, quoi. La cuisine à côté de lui quand il sera ado, ce sera pour... Ben, il sera pas ado. Il va pas passer ado puisque une fois que j'ai dépassé les 120 000 Simflouz, que tout est placé, le challenge est fini. Donc il va pas grandir le bambin. Je partagerai juste la famille dans la galerie et je rejouerai avec eux. Voilà, si j'ai envie. Pour un autre challenge, par exemple. Je ne sais pas. Donc ça, il faut que j'arrive à le monter. Un salon et une cuisine là-haut. Tout va bien. Tout va bien. Et moi, si j'ai la cuisine à côté de ma chambre, je dors dans le frigo. Oui, mais toi, Georgie, tu es spéciale. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais déplacer le bambinou, ici. La chambre des parents, on va retourner là-bas. Ah ouais, mais attendez là, j'ai un problème. Si je mets la cuisine là, c'est un vrai calcul mathématique, les challenges Sims quand il y a du build. Hein. Admettons qu'on mette la cuisine là. Le salon, on le fout. Il va me manquer une pièce pour le salon. La cuisine là, le salon avec ce truc là, ça va faire bizarre, hein. Alors, le prochain live, tu l'as regardé l'autre que j'ai fait là? C'était hier ou avant-hier, non? Il me semble. Quand j'expliquais, je sais pas si tu l'as vu, il est encore dans les vidéos là de Twitch. Je l'ai fait hier ou avant-hier, je crois. Je sais pas, peut-être tout à l'heure là, dans l'après-midi. Oui, Brandon joue à GTA Georgie. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui, parce que ben, le problème c'est que je suis tiraillée d'un côté, il y en a qui me demandent Stranden Deep, d'autres qui me demandent The Forest, d'autres qui me demandent voilà, Subsistance. Moi je rencontre un problème avec Subsistance, c'est que je vois pas le level des animaux, tu vois. J'ai bipé Echo ou Eki, je sais plus. Je dois voir avec lui parce que j'arrive pas à trouver de solution. Je vois pas du tout le level des animaux. Donc c'est assez gênant dans le jeu Subsistance quand t'as pas le level. Hein, parce que si tu tapes un loup au niveau 3, voilà quoi. Tu sais ce que c'est le jeu. Hein, donc je sais pas si t'as appliqué l'astuce que j'ai donnée, tu sais, d'enlever la sauvegarde automatique. Mais si tu l'as fait, je pense que tu dois trouver le jeu beaucoup plus simple à jouer. Tu mets le salon à côté.
et le WC dans la petite pièce, le salon à côté. Ouais. Et la baignoire, je la mets où? Enfin, c'est un bambin, hein, il ne peut pas prendre de douche. Ouais, c'est un bot, Mikuya. Mikuya, c'est un bot. C'est-à-dire que ça te dit simplement que depuis que tu es là, tu es monté en level parce que tu parles dans le chat. Ça calcule le temps que tu restes dans le chat quand tu parles et tu montes en level. Voilà, c'est juste ça. C'est un bot. Ouais. C'est un bot. Alors, si je lis ce que tu m'as mis. Salut, Skeletor, c'est là. Merci pour le follow. Bienvenue à toi sur le live. Ouais, mais si je mets le toilette là, où je mets la baignoire, parce que le bambin, il faut une baignoire. Le tout ensemble, ah, ça passe pas là. Je pense pas. Ouais, t'es niveau 1. Mais fais gaffe, Georgie va pas se laisser détrôner comme ça. Hein. Ne crois pas. Ne crois pas. Ouais, mais j'ai quand même un problème. Hein. Parce que regardez, admettons qu'on met la cuisine ici. Avec le salon, salle à manger là. D'accord? On met le bambin là. Les parents, on les fout après. On fait dormir sur le balcon. Il nous manque une pièce, sans déconner. Il nous manque une pièce. C'est fou. Au secours. J'ai dit, je vais finir ce live, ce challenge aujourd'hui. Mais non, mais pas du tout. En rêve, on le finit. Nouveau follow de Lola. Merci Lola pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi sur le live. Non, non, mais pas du tout. Je sais pas si je vais garder en fait mon idée de faire une salle des fêtes en bas, enfin une salle festive en bas. Parce que là, il va me manquer une pièce en haut, quoi. Si je vous écoute, qu'on fait la cuisine ici, le salon ici, la chambre des parents, je la mets où? Parce que là, ici, ça peut pas être une porte fermée. C'est obligatoirement une porte ouverte. Très important, ça. Là, c'est une porte ouverte. Là là, je me suis dit c'est bon, allez, en 1 heure c'est bâclé. T'as raison. Que dalle. Donc là on dit cuisine, salon. Salon, salle à manger, bureau, à la limite. Ouais, salon. Ouais, mais on va y foutre quoi dans ce truc-là? Oh là là, les enfants! Les enfants. Au secours! Aidez-moi, please! Ben ouais, mais bon. Là maintenant, j'ai tout qui est vide en bas. Donc il faut que je monte le salon. Et il faut que je monte la cuisine. Et après, il faudra que je fasse une espèce de toilette publique, là. Oh là 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 là. J'ai eu une idée stupide. Voilà. Faut toujours que j'ai des idées qui germent et ça passe pas. Bon, le bar, à la limite, on peut le laisser en bas. Mais ce petit coin cocooning salon, ça va pas là. Ça peut pas aller là. Et la cuisine, là, elle peut pas rester là. Pas de soucis, âme rêveuse, merci à toi. Et puis, ben, tu repasses quand tu veux. Et puis, bon courage à toi pour le boulot. Des gros bisous, bon courage. Brandon, il est au boulot, là. Donc, il a commencé à 4 h, Jordi. Enfin, il s'est levé à 4 h, il a commencé à 5 h. Et il va être là vers midi. Midi, 1 h. Je lui enverrai le bonjour, pas de problème. Je lui dirai dès qu'il arrive. Bon, alors, réchauffissons, c'est ma façon de dire.
Vous inquiétez pas pour cela. Il me faut une grande pièce pour le bambinou. Donc la grande pièce, ça serait celle-là. On va faire ça. Alors ça veut dire changer les textures. Ça veut dire tout refaire ce que j'ai fait. Oh. Bah après tout, hein. C'est le plaisir du challenge. Donc, ici, ça serait la chambre du bambin. Ok. Donc là, à la limite, ça pourrait être la salle de bain. Donc, construction, ce qu'on va faire. Soyons sérieux, 5 minutes. Je dis bien 5 minutes. Hop. Évidemment qu'on ne peut pas laisser un bambin. Donc ça, c'est la petite astuce quand vous buildez et que vous avez déjà posé des textures. Si vous posez des textures à nouveau sur d'autres textures, vous êtes d'accord, vous allez payer. Donc avant de poser des nouvelles textures, vous allez dans le mur, vous prenez le béton, vous le posez sur les textures que vous avez déjà mises, pour ceux qui ne le savent pas, et vous récupérez l'argent des textures que vous avez posées. Et c'est pareil pour le sol. Toi, tu aurais fait l'inverse. Attendez. Tu mets la cuisine avec la porte ouverte, tu mets la salle à manger. Ouais, c'est ce que je pensais. Il travaille dans quoi, Brandon? Il est au drive de Leclerc. Tu sais, quand tu viens en voiture chercher tes courses. Voilà, il fait ça. Pour aider mes parents à payer mes études. Ok. Toi, t'aurais fait l'inverse, Lola. Je suis en vacances. T'es en vacances, Georgie? C'est déjà les vacances scolaires. Comment ça, Lola? T'aurais fait l'inverse? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ça m'intéresse, hein, ton idée. Salut, Deadline 1, 2, 3, 4, 5, 20. Bienvenue à toi sur le live. Qu'est-ce que tu aurais fait, Lola? Vas-y, donne-moi ton idée, ça m'intéresse. De toute façon, je fais toujours participer mes followers, donc il n'y a pas de raison que ça change. Après, on peut faire la cuisine. J'ai eu peur. Je me fais peur toute seule avec mes alertes. Merci pour ton follow, Deadline. Merci beaucoup pour ton follow. Lola, je t'écoute. Parce que là, j'avoue que j'ai mes idées, mais j'arrive pas à leur faire prendre forme là. Je suis pas vraiment habituée à être de matin en live. Donc j'ai une cuisine, un salon à faire monter, et j'ai deux chambres, un bureau à placer. Avec le quoi? Ah, moi, c'est les applaudissements. Mais Georgie, t'inquiète pas, hein, je me fais peur toute seule, moi aussi. Hein. Il y a un moment que je les avais mis, ces alertes. Je les avais mis au tout début. Je fais des bonds de 2 mètres à chaque fois, je me fais peur toute seule aussi. Bon, pas grave. Bon. Allez, on va faire ça. Où? De toute façon, ça dégage. Va récupérer les textures. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne au passage. Quand vous buildez, pour ceux qui ne le savent pas, vous posez un papier peint et on a tous tendance au début à remettre des papiers peints par-dessus. Or, si vous posez du béton, direct, là, le béton, vous récupérez vos sous. Donc,
Faites-le. Pour mettre la cuisine ici. Ah là là, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Ben la cuisine, tu la mets dans la pièce avec la porte ouverte et la salle à manger juste à côté. Tu parles de Saint-Lala. Ouais. Mais ça, t'en ferais quoi, Lola? Ce petit truc-là. Tu peux pas le péter, en fait. Tu peux pas le casser. Donc, tu vois, il n'y aurait pas eu ce petit machin-là. C'était pas gênant, mais j'en fais quoi de ce petit truc-là? Parce que là, la cuisine, pour rentrer... Je sais pas si t'as vu en bas, mais elle prend de la place, hein. Et le salon aussi, quoi. De toute façon, il manque une pièce. Si on calcule bien, il manque une pièce. Donc. Vous verriez ma tête, je vous jure que vous rigoleriez. Chat, il faut absolument que tu m'apprennes à stream. Ben, je suis pas une pro du stream, Georgie. C'est t'as ta chaîne, tu live, tu parles, t'expliques ce que tu fais, tu restes naturel. Et puis y a pas de problème, ça se fait tout seul. Je suis pas une pro du live, moi j'ai commencé qu'en mars, hein. Après, tu restes toi-même, c'est le plus important, hein. Enfin, je pense. Bon, sérieux, ça me prend le chou. Je vous le dis, j'ai toujours des idées, mais très cons, qui fleurissent le soir, vous voyez. Et le matin, je me dis, allez, je les mets en application. Et là, pas du tout, ça va pas du tout ce que je voulais faire. Mais je suis obligée de faire ça, si je veux respecter ce que j'ai dit. Mais il me manque une pièce. Il va manquer une pièce. Bon, les grands-parents, c'est pas grave, je les ai mis en haut. Les grands-parents, ils sont en haut. La chambre, elle est là. Voilà. Grands-parents. Hop. Eux, c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut, c'est fait. Donc, ils étaient là avant, les grands-parents. Et tout le reste n'était pas aménagé. Ah, tiens, ma mère est là. D'accord. T'es déjà levée? Bonjour, chère mère. Ouais, il y a du monde ce matin-là. On était 11 jusque-là, quoi. On est bloqué sur le challenge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente ma mère, réelle, hein, c'est la vraie. Voilà, qui est là. Celle qui a le pseudo la mère de Chirelle, hein, c'est pas un délire. C'est ma mère, c'est ma vraie mère, réelle. Voilà, donc t'as Doriane, t'as Georgie qui est là, t'as Aurélia qui est là, tu as Zali, Zara Lili qui vient d'arriver. Salut Zara Lili, bienvenue à toi sur le live. Voilà, enfin t'as plein de monde là. On essaye de trouver une solution, je suis bloquée dans le challenge là. Ça passe pas au niveau des pièces. Et toi qui demandais des nouvelles de Georgie, ben il est là. Comme ça, tu peux lui demander. Tu l'as directement là, Georgie. Il est là. Parce que ma maman, Georgie, ben, elle demandait de tes nouvelles. Mais je dis, ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas vu. Voilà. Donc maintenant, Georgie est là. Bon, je suis toujours bloquée, moi, là, dans mon truc. Je n'avance absolument pas. J'ai dit, je vais finir ce challenge en 1 heure. Pas du tout, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis d'accord avec, je sais plus qui c'était, qui m'a dit de mettre le salon salle à manger là. Le problème, c'est que ça me fait perdre une pièce. Il me manque une pièce en haut. On a une salle de bain ici, donc. Qu'est-ce qui serait le plus...
Ouais, à la limite, on met la cuisine là et le salon là. Est-ce que ça va pas être trop petit? Allez, on tente. On est parti, on tente. Alors, on va lever papy, mamie, ils vont pas être contents du tout, hein. Tout le monde est installé sur les canapés et tout, tout le monde se mate la télé. Bref, on a bien réveillé le bambin pour faire ça, donc. Alors, on a une porte déjà, là, ça nous coince. Alors, on va mettre la cheminée là. Ok? On va mettre dans l'idée qu'ici, on met la cuisine. Là, on met le salon. Ok? Alors, je suis levée, oui, alors tu n'as pas assez de terrain. Du terrain? Non, c'est pas de terrain que je manque, c'est de pièces. Tu rigoles toute seule, Georgie? Tu t'es transformée en fille, Georgie? Si je rigole tout seul, celui-ci, on n'en fera jamais rien de Georgie. Georgie est un cas désespéré. Donc, à ce moment-là, on ferait ça. Ça va faire riquiqui, hein. On peut pas dire, mais ça peut être un grand salon, hein. On va essayer, hein, mais. Tout va pas passer, hein, les canapés. Ça a bloqué, je pense, hein. On dérange nos Sims. Plus le petit dormait bien, il faisait un gros dodo, le pauvre. Alors à ce moment-là, celle-là n'est pas plus grande. Ah ouais, là, je me prends la tête, hein, là. Que c'est pas plus grand dans ce sens, hein, ou c'est un effet d'optique, hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites, hein? Et le salon, tu le mets à la place du bambin. Oula. Oui, tout va bien. J'ai 13 ans de 13 de moyenne, mais le salon est tout petit par rapport au salon. C'est que j'ai marqué, je rigole toute seule. Ton bambin, il est toujours en bas. Non, ça y est, il a grandi. Donc maintenant, il peut monter. Donc en bas, je supprime tout. Et en bas, je vais faire une cuisine style resto, puisque c'était un ancien, comme je t'avais expliqué, comme si c'était un ancien manoir où il recevait du monde. Donc une cuisine style resto, avec une grande salle de réception, avec plusieurs tables, et un côté où ils peuvent faire du sport, etc. Mais il faut que je monte tout ce que j'ai en bas, en haut. Et j'ai pas le même nombre de places, quoi. C'est ça le problème. Oui, en bas, j'avais tout le nombre de pièces qui étaient bonnes. Maintenant, j'ai pas, les pièces sont pas les mêmes à l'étage au premier. C'est ça. Ça qui bloque un peu. C'est là, je vais mettre la cuisine. Là, la chambre du bambin, je pense qu'il lui faut une grande chambre parce qu'il y a des jouets. Les jouets prennent beaucoup de place des bambins. Et on est en hiver, donc il va pas les jouer à la poupée dehors, quoi. Tu repars déjà, Dorian? Ben écoute, merci d'être passé, gros bisous. Et merci pour ton follow. Tu reviens quand tu veux. Je vais tester ça. Le temps que vous papotez entre vous, là. Je vais tester ça. Faut que je me concentre. Eh oui, faut que je me concentre. Mais je vais y arriver, hein. Je vais trouver, hein. J'ai dit que je le finissais aujourd'hui, ce challenge, je le finis aujourd'hui. Hop.
Ça, j'ai le droit de le déplacer. Ouais. Je regardais sur les règles aussi. Ok. Donc ça passe. La cheminée est placée. Donc, réfléchissons. Excuse-moi, papy. Tu vas arrêter de jouer aux échecs. Ouais, ben ça passe comme ça là. Et on met la cuisine là. Nickel. Alors, j'ai pas lu ce que vous mettez. Du coup, je suis concentrée à mon truc là. C'est pas bien. Chirelle, ta mère va faire. Ah, attends. Au revoir tout le monde. Ta mère va faire avec. Va faire un AVC. Pourquoi elle va faire un AVC? Oh, t'inquiète que si elle faisait un AVC, elle m'appellerait au téléphone là. Salut Dorian à plus. Georgie, je ne vais pas faire un AVC. Ouais, voilà, je t'avais dit, Georgie. T'inquiète que si elle fait un AVC, mon téléphone il sonne là. Pourquoi tu veux ma mort? Je vais bien. Mais ça m'a fait quand tu as marqué avec toutes tes majuscules. Ah oui, non, mais parce qu'elle se trompe avec le clavier. C'est pour ça. Donc, moi, ça me va là. Donc, le bar, on peut le laisser en bas. On va monter les jouets du bambinou. Après tout, même pas la peine. Ça, on peut le vendre. Puisqu'il a sa chambre là avec tout ce qu'il lui faut. En plus, on gagne des sous. Ça, oui, par contre. La petite tablette qui traîne par terre. Ça, on le laisse. Le petit cube. Les petits cubes, on les prend aussi. On les. Ah, pas la pièce, les cubes. Voilà. On n'a pas besoin d'un super grand salon, hein, nous. Ouais, le but, c'est qu'on réussisse notre challenge. Donc, c'est bon. Alors, où vous en êtes? Mais ça me fait quand. Nanana. Georgie, tu n'as pas d'idée pour l'aider et ne te fiche pas de ma façon de taper, mais je vais me lâcher. Alors. Morpion, Georgie. Ah, j'ai chopé la pièce. Non, ça c'est bon. Donc il faut que je. Hop. Monte toutes les photos, youplaboum. Ça va être un plaisir. On les rangera après, hein. Je les monte au pif. On va foutre tout ça en vrac là. Et on rangera après. Hop. Si, c'est bon, ça prend tournure. Vous voyez? Suffisait de réfléchir. Ils sont plantés, les pauvres, tous debout. Le bambin, il est dans une pièce. Il dormait bien, il se demande ce qui lui arrive. Et pourquoi ils m'ont tout enlevé? Non, là, je suis en train de faire au premier étage, c'est leur endroit privé. D'accord? Leur endroit, leur chez eux. Et en bas, je vais faire une cuisine beaucoup plus grande, style restaurant, avec beaucoup de tables et de chaises. Et un côté festif, puisqu'à la base, le tonton qui est mort, dont on a hérité, c'est un lieu festif où les gens venaient. Donc, tu vois, je vais pas le transformer en restaurant, mais faire utiliser la cuisine du resto, du kit resto, mettre plusieurs tables salle à manger, une salle de gym, etc. Mais bon, faut arriver à caser en haut tout ce qui est en bas, quoi. C'est ça le plus dur. Mais je vais y arriver. Il faut absolument que je finisse aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire. Donc faut que je finisse aujourd'hui. Par contre, des photos là, faut vraiment que je les monte toutes.
Je sais pas trop où je vais les mettre. On va les foutre par là, on rangera après. Hein. Et comme on n'y voit rien, on doit monter les objets un par un. Top cool l'affaire. Derrière le canapé, là, je vais en mettre. Donc là, on va mettre la cuisine. Bisous Lola, bonne journée à toi aussi, merci d'être passé, puis à très vite j'espère. J'espère te revoir très vite. Alors ce sera peut-être pas du Sims 4, hein, mais voilà. Là j'ai un peu vu tout le monde de tous les jeux que je fais, hein, donc vous êtes tous passés ce matin, c'est sympa, ça fait plaisir. Un moment que je vous avais pas vu tous. Les nouveaux comme les anciens. Beaucoup de nouveaux. Oh non, mais ils vont pas planter maintenant, mais c'est ça. Faut pas déconner là. What is le problème là? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient planté. Alors, hop, ça on les mettra dans le. Dans le salon. Dans la cuisine. Dans le salon, là. Ici, je me comprends. Les photos. Donc, ici, on va foutre la cuisine. La chambre du bambin reste là avec la salle de bain. Parce que lui, il lui faut une baignoire. Obligé. Ça c'est quoi? Des guirlandes. Ça pourrait rester là. Ici, on a quoi? Les portraits de famille. Hein, donc des grands-parents. Ça va monter, c'est privé. Ça va pas être dans le lieu public. On va le mettre là pour l'instant. Et l'autre photo qu'il a fait. On va le mettre là pour l'instant. Ok. Que là. Moi aussi, chat, je dois y aller. Bonne nuit. Gros bisous. Bonne nuit. Mais Georgie, non, pas bonne nuit. J'ai dormi, hein. Mais gros bisous à toi, Georgie. À très vite. Alors, qu'est-ce que vous me dites, hein? Georgie, le chat, tu le gardes et tu lui trouves un nom. Tu l'as trouvé où? Moi, j'ai trois minettes, trompette, chaussette et Zoé. Moi aussi, chien, je dois y aller. Ok, à plus, Lola. C'est un petit chaton, il s'appelle Tigrou et je l'ai trouvé sur un toit. Bye, Georgie, j'espère que je ne t'ai pas fait fuir. GG pour les 300. Salut, Miaki. Bienvenue sur le live, Miaki. Alors là, je suis pas du tout dans les jeux de survie. Je suis dans les Sims 4, là. Donc, tu vois, rien à voir. Mais voilà, il t'a parlé un petit peu. Alors, si vous connaissez pas, Miyaki est un streamer aussi, un Twitcher, comme vous dites vous là sur le chat. C'est un Twitcher, il a sa chaîne Twitch et il fait des jeux de survie. Voilà, donc l'autre jour, je regardais des gens jouer à The Forest et je suis tombée sur Miyaki. Avec Moirax, ou Noirax, je sais plus. Et je leur ai parlé d'un jeu de survie auquel je joue. Et Moirax, de suite, quand j'étais en vidéo sur le jeu de survie, est arrivé comme une bombe dans le live pour que je lui montre tout ce qu'était que le jeu. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez le second, vous avez Miaki. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je vois ça, je passe vite fait avant de démarrer. Ah, tu te l'es pris, ça y est, Red Dead Redemption 2? Tu devais l'acheter, non, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'en a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? J'ai pu lui montrer vite fait, hein, mais pour lui faire plaisir, je me suis fait tuer trois fois quand même. Donc, je me suis fait tuer trois fois par un loup, une fois par un ours. Un truc comme ça. Mais il m'a dit que ça avait l'air de lui plaire. Après, toi, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais. Et vous me direz, parce que moi, The Forest, le problème, c'est que toute seule, je peux pas y jouer. C'est infaisable toute seule, c'est ingérable.
Comment tu veux que j'aille dans les grottes affronter l'autre à six pattes là toute seule quoi? C'est pas possible. Puis comme je t'ai dit, Miyaki, moi j'ai une communauté qui est assez variée. Donc je suis obligée de faire en fonction de la communauté. Le matin, c'est surtout les Sims quoi. Qu'il fallait attendre un petit peu avant de le prendre, que le développement n'était pas encore fini. Alors, il fait des mises à jour, tout le développement. Ouais, c'est sûr qu'il a un accès anticipé encore. Mais toutes les semaines, il fait des mises à jour. Donc, le jeu est tenu régulièrement à jour et tu peux le contacter. C'est quelqu'un d'indépendant qui est tout seul et qui fait ce jeu tout seul. Donc, voilà, il y a encore quelques petits bugs, mais ouais, c'est absolument rien de méchant, quoi. Ouais, c'est ma mère que tu as. Miyaki. Ma mère réelle. Voilà. Mais je pense que tu avais capté. Mais il est loin d'être fini, hein, le jeu. Hein. Il essaye d'améliorer tout le temps, mais déjà, tu as une bonne approche du jeu. Hein. Et quand c'est que tu. Merci Lorbès pour ton follow. Bienvenue sur le live. Tu vas faire un live là sur. Je vais y arriver. Sur Reddit ou pas? Tu vas passer un live sur Reddit? Pas dans ce sens alors. Vers midi, tu démarres. 11h28. Ben, je passerai. Je passerai regarder. C'est quoi déjà? Redis-moi. Ah, ça va bloquer la porte. Ah, que je déplace. On peut tout faire comme ça. Ah, mais non, là. Ça marche, ouais, mais ça parle de quoi déjà? Oui, c'est parce que Twitch, fait, des fois, ils font des coupures et ça met des publicités, mais on n'est pas responsable, non. Des pubs. T'as une pub et c'est toujours la même en plus. T'inquiète, c'est normal. Ça parle de quoi déjà, Red Dead Redemption? Je me rappelle plus. Je sais pas si tu me l'avais dit d'ailleurs. Mais là, moi, Noirax, il était tombé l'autre jour. En plus, c'était avec des Anglais qu'il était là l'autre jour. On a bien rigolé d'ailleurs. Tu l'imagines en train de parler en anglais? C'est l'histoire d'un bandit qui rejoint un groupe de hors-la-loi dans les années 1900 au Far West pour faire court. Même c'est quoi? C'est survie? C'est quoi? C'est baston, survie? Ces trucs comme ça? Bah, je sais plus. Je sais même pas si tu me l'avais pas dit. Non, je crois que tu m'avais donné que le titre et que tu m'avais dit, ouais, celui-là, ça fait longtemps que je l'attends. Ouais, Noirax, quand il est venu l'autre soir, il est tombé sur la communauté américaine que j'ai, tu sais, que je t'avais parlé. Donc il s'est retrouvé avec des Suédois, des Américains. Donc il nous a fait part de son anglais. Mais bon, elle a été cool. On a bien rigolé. C'était sympa. C'est open world, scénarisé, pas réellement, survie, c'est un style d'Assassin's Creed. Ben c'est surtout, j'ai été surprise parce qu'il parlait en anglais avec les autres, quoi. Je te promets, Miyaki, il a discuté avec tout le monde en anglais, il a parlé avec ma mère, il a discuté. Alors que quand je vous regardais jouer, je l'appelais le râleur, quoi. Mais là, il était super cool. Il a discuté avec tout le monde, il a parlé en anglais. Non, t'as raté quelque chose, là. T'aurais dû être là. Mais il y a le live, je pense. T'as la vidéo, je pense.
Il a dit, tu l'entends parler, tu le vois discuter avec tout le monde avec son anglais. Ouais, il se débrouille bien, ouais. Il parle bien anglais, ouais. Ah ouais. Il m'a surprise. Je suis passée d'un râleur. Je suis passée d'un. Bah, c'est le dernier, la dernière vidéo que tu as sur Twitch sur Subsistance. Sur le jeu Subsistance. Et je suis passée d'un râleur sur ton live à quelqu'un de super carré, là. Ça m'a fait rire. On a bien rigolé. C'était sympa. C'était très sympa. Mais je passerai tout à l'heure là. Tu joues avec lui Oui, il est. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais il est râleur. Il est mauvais perdant. Ce qu'on appelle un mauvais perdant. Il aime pas perdre dans un jeu, sinon il râle pendant 3 heures, quoi. Ouais, bon. Mais c'était pas méchant le live, hein. C'était sympatoche. Hein. Ah ouais, c'est pas en coop. C'est con, vous allez pas pouvoir jouer ensemble. Hein. Vous allez pas pouvoir jouer ensemble, c'est con. Si vous êtes habitués tous les deux là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me part en sucette là? C'est quoi ton problème là, le jeu? Mais c'est pas pour tout de suite. Ah ouais, c'est ça qui est chiant. Notre, il me part en, les Sims, ça, ils partent en sucette. Ils me font des erreurs de trucs. Je sais pas ce que c'est. Une erreur, nanani, nanana. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est pas périmé. Et tu sauvegardes. Hein. Ça, si tu me plantes là, je deviens folle, quoi. Ouais, mais je viendrai faire un tour tout à l'heure, pas de problème. Je viendrai voir ce jeu. Y a pas de souci. J'ai un gros bug de malade là. Ça lui prend d'un seul coup. Jamais ça s'arrête. Ah, que seraient les Sims sans les bugs? Ça ne serait rien du tout. Non, c'est moi qui sauvegarde parce que tu vois, j'ai un message orange là. Et ça arrête pas de le marquer, de le marquer, de le marquer, alors qu'il n'y a pas d'erreur. C'est un bug. Je t'ai ajouté dans la liste des hosts automatiques. Hein. Ça peut aider. Ok, pas de soucis. Bah, de toute façon, je te hosterai moi aussi quand je live pas. Mais je pense que je referai. Je pense que ce soir, je ferai une partie de subsistance si je suis pas trop crevée. Mais si t'as follow la chaîne, bah, tu me verras. Si t'as pas follow, bah, tu me verras pas.
regarder. Non, mais j'ai un bug là, à foulant. La sauvegarde se fait, mais c'est gros merdier là. Allô, tu t'arrêtes hein? Essaye de te mettre. Pas de soucis, Miyaki. Mais essaye de te mettre dans tes titres ROD, ROAD, le nombre de followers que tu veux. Par exemple, si tu veux 100, là, tu mets ROD 100 followers. Marque-le. Parce que comme je te hoste, les Américains, ils viennent et ils te follow pour t'aider à aboutir à ce que tu veux. Donc fais-le. Marque-toi ROD et le nombre de follow que tu veux. Pas de soucis. Ok. Pas de soucis. À tout à l'heure, Miyaki. Merci d'être passé. Je passe, promis, tout à l'heure. Je règle mon problème là. Bisous, Miyaki. Bon, ils me font quoi là, les Sims? C'est chouette dans un live qui va être posté dans YouTube. Oh la vache. Jamais ça s'arrête. Si je suis obligée de couper le jeu là, le problème c'est que je me retrouvais à tout refaire. Je crois que c'est ce qu'on va faire, hein. Ça s'arrêtait, non, ça repart. Ça s'arrête. Yes. Ça s'arrête. Non, ça repart. Et trop vite. Je crois que là, ça a vraiment planté. Pourtant, la sauvegarde, elle tourne. Hein. Je suis attrapé par un C commandeur. Non, mais c'est pas. Mais c'est commandeur, il est à jour. Ça peut être du CC, ouais. Il faut que je trie mes CC aussi. Faut que je trie mes CC, faut que j'en enlève parce que je m'en sers pas de certains. Donc, je vais peut-être me faire un live tranquille où je trierai mes CC parce qu'il y en a. Ah, ça y est. Mais ça, par contre, ça ne veut pas s'arrêter et ça m'énerve. Non, mais c'est bon, arrête-toi, quoi. Non, il a décidé que non. Bon, mais continue. Je suis navrée pour le truc de orange là, qui arrête pas. Il va bien s'arrêter un jour, hein, mais. Ça va bien mettre un moment que mon mur de notification est plein. Donc, il s'arrêtera, je pense. Bon, on va continuer. Combien ça fait que je suis en live? Ça me le marque même plus. Ils étaient tous tombés du lit ce matin. Hier soir, j'ai regardé jusqu'à 23h. Tu n'étais pas en live. Non, je me suis endormie hier soir encore devant la télé à 22. Ça devient une habitude. Donc j'étais réveillée à 3h et j'étais en live à 4h. Et ils ont commencé à arriver à 5, 6h, 7h. Voilà. Bah, tu comptes, hein, j'avais 200, j'étais à 298 follow. Et regarde à combien j'en suis depuis ce matin, quoi. Voilà. J'ai dépassé mes 300 followers, donc j'ai changé. J'ai mis 350 maintenant. Bon, ça m'agace. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Tu dormais pas à 4 heures? J'ai failli t'appeler, j'ai failli dire allez, je la réveille. J'ai dit non, quand même, à 4 heures, ça craint.
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais stopper le live là. Pour l'épisode, c'est 14. Je vais stopper l'épisode là au niveau du challenge. Et je vais me remettre en live pour l'épisode 15. Je pense que ça va être plus simple parce que ça va me saouler. Et ça va vous saouler aussi. D'accord? Donc on va en rester là pour l'épisode 14. Je reviens d'ici 5 minutes et on fera l'épisode 15. On va essayer de finir ce challenge. Normalement, on aurait dû l'avoir fini. Voilà, mais bon, voilà, un bug. J'espère que ça va pas se reproduire dans l'épisode 15, puisqu'on est là au 14. Donc je reviens d'ici 5 minutes, 5-10 minutes. Je regarde le sous-saï là, le pourquoi ça fait ça. Et je reviens en live pour la suite et la fin de ce challenge. Donc, pour les 6 personnes qui sont sur le live, bah, patientez 5, 6, 5 minutes et je reviens. Voilà. Donc, on va finir l'épisode 14 et on se retrouve pour l'épisode 15 du challenge Maudit Héritage et on va le finir, je l'espère. Je vous dis à tout de suite pour les plus patients. Et sinon, ben, ceux qui restent pas, merci à vous pour vos follow. Merci à vous pour avoir été nombreux ce matin. Et vous l'êtes encore. Donc, je reviens d'ici 5 minutes en live et on finit ce challenge. Pour ceux qui seront partis, ben, écoutez, merci encore pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci pour les follow. Merci pour tout, quoi. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas allés voir, vous avez la chaîne YouTube. Et vous pourrez voir tous les challenges que je fais au niveau des Sims 4 et tous les jeux que je présente sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un commentaire, c'est gratuit aussi. Et pour ceux de YouTube, eh ben pareil, hein, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch où je suis en live quand vous le souhaitez. Comme ça, vous follow la chaîne et vous aurez une alerte quand je suis en live. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Pour la suite du challenge du maudit héritage, pour éviter que ce truc orange-là continue à nous embêter. Voilà, à tout de suite!